centrale en faisant des renforts au quartier. Elle dit que c'est par ici. C'est là, devant. Il y a quelque chose. On dirait un corps. Quatre ans plus tôt. Mais je lui ai dit, tu peux toujours faire toutes les heures supplémentaires que tu veux, mais ça te fera payer des impôts en plus. Allez, à plus tard. Salut, Roger. Tu vas à la chasse aux canards? Mon fils a des étoiles plein les yeux aujourd'hui. Ah, je ne vais jamais oublier mon boulot d'été préféré. T'as eu ton dernier chèque? Ouais, il est là. Je t'aurais appris ça au moins. Un salaire honnêtement gagné pour un travail honnête. Il y a plein de choses que tu m'as apprises. Eh, hey, dis donc, tu viens demain? Ben évidemment que je viens. Tu vas manquer à ton vieux père, tu sais. Je suis fier de toi. Bon. Reste pas dans le coin, on sait jamais. Des fois qu'il te remettrait au boulot. Allez, à demain matin. Vas-y, Jake. Et n'aie pas peur de cogner, hein. Oh. Tu peux me montrer encore, Bobby? D'accord, mon grand. On s'en fait une petite. Allez, monte tes bras. Tu lèves ton coude gauche. Voilà, très bien. Et regarde ta balle, hein. Vas-y. Oh, ouais, ouais. Ça y est, je l'ai. Elle est belle. Dis donc, jeune homme. Viens voir là. Qui est-ce qui déménage, moi ou toi? Eh, hey, à bientôt chez les professionnels. Arrête, maman, tout est déjà dans le coffre. Une fois là-bas, tu ne m'auras plus pour retrouver ton pull préféré. Attends, Greenville est à 140 km. 140 km au nord, et tu auras froid, crois-moi. Alors, j'ai mis toutes tes chemises en flanelle dans ce sac. Ton nouveau pantalon gris, il a un pli permanent. Tu n'as pas besoin de le repasser. Mais ce serait mieux que tu ne le mettes que dans les grandes occasions, d'accord? Oui, madame. Bon, alors on va déjeuner. Ouais. C'est prêt. Ah, génial! Un steak. Tu es sûr que tu n'en veux pas, hein, monsieur Earle? Tu adorais ça, un bon steak, quand on était mariés. Mais j'aime toujours ça, Rose. J'essaie seulement de garder la ligne. La fumée de cigarette. Il n'y a rien de tel pour couper l'appétit. Je vais vous dire une chose. Votre maman n'est pas prête de changer. Et si j'avais su que ça permettait d'être aussi bien nourri, je serais allé à la fac. Michael, tu sais très bien qu'à chacun de tes anniversaires, je te fais un petit plat. Ah, c'était une blague. Aujourd'hui, on fête quelque chose. Tu es le premier de la famille à entrer à l'université, Bobby. Tâche de représenter dignement notre vallée auprès des filles, Bob. Michael. J'y veillerai dès que j'aurai sauvé l'équipe de football et brillé aux examens. Eh, mais occupe-toi des examens en premier. Tiens-toi à carreau, là-bas, hein. Et si les choses tournent mal, tu peux toujours revenir à la fabrique. Il y a une place pour toi. Ton frère la veut pas. Il préfère travailler à Akron. On a beaucoup de boulot. On pourrait t'embaucher. En fait, je comprends pas. Pourquoi t'as besoin d'avoir un diplôme pour démarrer? Moi, je comprends très bien. Bobby a de l'ambition. On ne peut pas sortir de sa campagne sans faire d'études. Avec un diplôme, il pourra faire des choix et personne ne peut dire jusqu'où il ira. C'est l'avenir qui nous dira ce que Bobby est capable de faire. Yeah, to me, Jimmy, you know I got him.
Allez, dis donc, notre fraternité organise une fête, ça te dirait de venir avec nous? Être dans une fraternité, qu'est-ce que ça apporte? Attends, tu rigoles, rien qu'au niveau de la bouffe, ça vaut le coup. En plus, c'est une super baraque. Ça te permet de prendre des contacts, je te dis que c'est génial. Jackson, allez, à toi. Alors, ils t'ont demandé d'être des leurs? Ah, pour l'instant, ils m'ont déjà invité, c'est pas mal. C'est formidable, tu veux dire. Tu as mis ton pantalon tout neuf? Oui, et il n'y a pas un pli. Et tu t'es coiffé? Maman, tu charries. Tiens-moi au courant de la suite. Je te rappelle dans quelques jours. D'accord, bonhomme, t'embrasse. Ouais, moi aussi, maman. Messieurs, nous accueillons notre nouveau frère d'études, Andy Wilkins. Hey, félicitations, Andy. Hey, salut, comment tu vas? Tom. Le costaud dans le coin, il s'appelle Robert Earl. Il vient d'un patelin près de Pittsburgh. Un parcours sans faute et le bac avec mention. Ce serait bien qu'on le fasse entrer. D'accord, j'y vais. Excusez-moi. Tom Stahl. Oh, enchanté. J'habite cet asile de dingue. Viens, entre. C'est une belle soirée. Oui, c'est sympa. C'est bien, Robert? C'est ça? Mes amis m'appellent Bobby, mais comment tu le sais, on se connaît pas? Nous nous documentons, nous trions nos invités. Je te fais visiter? Assieds-toi. Ah. Tu as assez bu de soda pour la soirée. Merci. D'où viennent tous ces beaux meubles? Mon père a une super situation dans l'Ohio. Il veut peut-être m'habituer à la grande vie. C'est vrai qu'il a beaucoup misé sur moi et mon jeune frère Ben. Il faut y arriver, sinon, ça, c'est l'appart. Oh, même si c'est une carotte, c'est pas mal. Je ne fais que commencer. Je passe ma licence, ensuite la fac de droit. Les affaires ou la politique. Je veux jouer un rôle important dans la société et gagner plein de fric par la même occasion. Je comprends. Et toi, tu veux faire quoi? Je sais pas. Enseignant, entraîneur de football, commercial, rien n'est fixé. Il y a qu'une chose dont je suis sûr. J'ai pas envie de terminer à Munhall. C'est de là que tu viens? Ouais. Enfin, il y a des gens formidables là-bas. Ce qu'il y a, c'est que... Je sais pas, ils sont là à traîner après les fermetures des usines et... Et mes rêves vont plus loin que ça. Tu as raison de voir, grand Bobby. On sent que tu en as les moyens. Tu sais, si tu entrais dans notre fraternité, on pourrait s'entraider pour progresser. On a besoin de battants dans cette maison. De gars qui ne se contentent pas de la médiocrité et exigent beaucoup des autres et d'eux-mêmes. Je te vois bien ici. Oh, pardon. Madame Earl? Oui. Je suis Tom Stahl, un des amis de Bobby. Oh, bonjour, Tom. Oui, Bobby nous a parlé de vous. Et je suppose que tu es Michael? C'est moi, oui. Je suis content de te connaître. Moi aussi. Avec les compliments de notre fraternité. Oh, Tom. Oh, c'est ravissant. C'est très gentil. Je vous ai cherché avant que le match commence, mais le stade était plein. Salut! Ah, le voilà, alors. Tu as bien joué. C'était un super bon que vous match. Soyez là. Ouais. On a bien assuré. Oh, c'était extra. C'était chouette. Ah, ouais. Tom et toi, vous avez fait connaissance? Oui, il m'a offert ce petit bouquet. Ah, hein. Tom a de bonnes manières et une élégance naturelle. Oui. C'est pas comme moi. Hein. J'ai remarqué. Hé, hey, bravo, le jeune jambe. On se revoit tout à l'heure. D'accord, à plus tard. Tu vois, maman, ça c'est Andy. Lui aussi, il est à la maison bêta. Eh ben, tu as fait un sacré bout de chemin. Attendez, la semaine prochaine, il postule pour l'Assemblée des étudiants. Je ne fais que le soutenir pour la présidence, mais je crois qu'on a nos chances. Oh, Bobby, je suis extrêmement fière de ta réussite. Je savais que ça te plairait. Bravo, Tom. Super. Merci. Oh, excellent. Tu les as mis dans ta poche en deux temps, trois mouvements. Et où est-ce que tu as été chercher tous ces arguments? Je n'en sais rien. J'adore les grandes idées. Et j'aime amener les gens à penser comme moi. Tu vois, il suffit de lire les biographies des grands de ce monde. C'étaient tous des hommes capables de convaincre les autres, de les faire accéder à un stade supérieur. J'avais raison de vouloir qu'on fasse équipe. Pourquoi tu dis ça?
Moi, j'ai un certain talent pour parler aux gens, pour les forcer à faire ci ou ça, alors du coup, ils sont sur la défensive. Mais toi, tu dégages quelque chose de vraiment authentique. C'est étonnant la manière dont tu m'as guidé pour ce discours. Les gens te font confiance tout de suite, tu n'as rien à faire pour y arriver. Je le fais pas exprès, c'est spontané. Et je suis même pas conscient de dégager ça. Justement! Ça se passe en toi, Bobby, là-dedans. Les gens ont confiance en toi, parce que ton cœur est bon, et qu'ils le savent. C'est fantastique d'avoir ce pouvoir. Ça peut te mener loin. Et ça peut nous mener loin. Allez, pousse, c'est presque ça. Prends-la, prends-la. C'est bon. C'est bien, Tom, c'est bien. Hé, Bobby, regarde cette femme. Oh là 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 là, elle est superbe. C'est qui? La propriétaire. Chelsea Coates. Elle possède carrément 5 autres salles ici. Sans compter un magasin de meubles dans le centre. Il paraît qu'elle est associée avec un vieux médecin. Et qu'à deux, ils font un maximum d'argent. Ah, je crois que je la connais. Elle a une corvette rouge, c'est ça? Oui, c'est elle. Tu vois, ça c'est une femme pour moi. Sexy, puissante et riche. D'accord. Allez, dis-moi comment tu vas t'y prendre. Je sais pas, mais je l'aurai. Mais que vois-je? Quelle nouvelle misère on inflige à mon étudiant préféré? J'essaie de progresser pour vos beaux yeux, Chelsea. Je vois ça. Bon, oh, vous ne connaissez pas Bobby Earl. Nous sommes frères à la maison Beta. Bonjour, Bobby. On dirait que ça ne va pas comme vous voulez aujourd'hui. Ici, il y a un sacré manque de compétences. J'ai besoin d'un bon gérant de salle de sport. Mais je suis peut-être votre homme. Je connais assez bien les sports et je manie bien les responsabilités. Mm-hmm. Oui, je m'en doute. Prenez-moi à l'essai, vous verrez bien. Revenez à 9h après la fermeture. Nous parlerons. Oh! Gare aux élongations, messieurs. Cette femme va transformer nos vies, mon pote. Crois-moi. Bobby, quelle bonne nouvelle! Toutes mes félicitations. Ils ont remporté les élections. C'est une victoire écrasante. Quand je vais dire ça à ton frère et à ton père, alors là, ils vont être médusés. Encore bravo, mon fils chéri. Merci. Bon, maman, il faut que je te laisse. À bientôt. Ouais, je te rappelle. Je t'embrasse. Ça, c'était mon fils qui est étudiant. Il est génial, ton dîner de Pâques, maman. Ouais. C'est gentil, merci, Mike. Même après 3 ans de repas à la fraternité, je dis que ton jambon reste le meilleur. Il m'en reste pas mal. Je te prépare un petit paquet. Michael, tu en emporteras à Akron. Mais absolument. Alors, c'est bien ce boulot chez le médecin de Greenville? C'est pas mal. Il a un magasin de meubles et je lui compose des encarts publicitaires pour la presse locale. C'est marrant. Surtout, maintiens tes notes à un bon niveau. Tu auras le temps plus tard de gagner de l'argent. J'y compte bien. Bon, écoutez, je sais bien que vous êtes un peu grand pour les cloches de Pâques, mais... Qu'est-ce ah non, que c'est? Je plaisante. Celui-là, c'est maman. Pour toi, Michael. Hey. Vas-y, ouvre-le. Oh. Ah. Oh, c'est beau. Ah. C'est super. Et c'est malin. Qu'est-ce que c'est? Oh, ne soyez pas insolent. C'est un de ces machins qu'on met sur le siège du conducteur et qui masse le dos. Tu sais, quand tu fais de longs trajets. C'est ton père qui m'en a parlé. Merci, Bobby. Maman. Oh. C'est quoi? Ah, très joli. Tu n'aimes pas? Non, non, enfin, si, si, c'est chouette. Ouais. Eh, regarde, c'est sympa, les deux sont assortis. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un petit détail. Disons que, bien sûr, on porte des cravates et des pochettes, mais assorti, ça se fait plus, ça fait bidon. Qui a décrété ça? Tom a acheté un bouquin où on apprend à s'habiller. Et j'ai lu que c'est démodé de faire ça. Et est-ce que on apprend aussi aux riches à se montrer grossiers quand ils reçoivent un cadeau? Michael, ce n'est rien, c'est vrai. Bobby doit soigner son apparence. Je suis désolé. Non, vraiment, je voulais pas être grossier. Ça va. Tu peux peut-être les porter séparément. Je les aime bien. Je vais les porter.
Bon anniversaire. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'en prie, entre. Le salon est là, tout de suite à droite. Vas-y, installe-toi, mets-toi à l'aise. Chelsea et moi allions déboucher le champagne. Bobby est là. Bon anniversaire, Tom. Bonsoir, Bobby. Bonsoir. Sers-lui un peu de champagne. Elle est géniale, cette maison. Oh, merci. Je tiens beaucoup à mon confort. Comment trouvez-vous le champagne? Il est chouette. Vous apprendrez à apprécier. C'est du Dom Pérignon. Bon anniversaire, Tom. Ah, le Lincoln de Sandberg. C'est super. Ouais, je suis tombé dessus par hasard chez un bouquiniste. Je me suis dit que si tu faisais ton droit, ça pourrait t'inspirer. C'est une bonne idée, Bobby. Merci. Le mien, maintenant. Le mien, le mien, le mien. Allez, ouvre vite. Redoutable. C'est une vraie? Bien sûr que c'est une vraie. Donne. 24 carats avec un mouvement à 12 rubis. Alors? Alors, elle est magnifique. Tu devrais servir à Bobby un petit digestif, d'accord? Et moi, je vais me changer. C'est ça, la vie, mon pote. Oh, c'est bon. Je ne reviendrai pas en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? C'est à cause de ce vieux bouquin. Je pouvais pas faire mieux, je suis désolé. Arrête, il me plaît beaucoup. Je sais ce que c'est que de manquer de fric. Mon père ne lâche qu'au compte-gouttes. Comment ça? Et tout ce qu'il y a dans ta chambre et tes vêtements? Oh, ça c'est pour la galerie. Il veut que je le gagne moi-même, le fric. Il croit aux vraies valeurs et au travail. Que ce soit maintenant ou plus tard, jamais je n'aurai ça. C'est là où tu te trompes, Bobby. Ça t'évoque quoi, 2000 dollars en une nuit? Ça m'évoque un conte de fées. Tu manques de sagacité. Ah. Mais enfin, on les trouvera comment, les 2000 dollars? Quand le campus se videra pendant les prochaines vacances, on pénétrera dans les fraternités. Et on emportera la FI et tout ce qu'on trouvera. Elle est drôle. Vraiment très drôle. Ce n'est pas une blague. Des casses? Pas des casses! Il y a vol que quand l'autre perd quelque chose. Dans le bureau du doyen, j'ai vu des contrats d'assurance des maisons d'étudiants. Si quelque chose disparaît, ils font une demande d'indemnisation et ramassent le pactole, ce qui leur permet de se rééquiper. Ce sont les compagnies d'assurance qui payent la note. Et il n'y a pas de perdant. Il n'y a personne qui soit lésé. Mais Tom, c'est mal. Ce qui est mal, c'est de laisser passer une opportunité de ce genre. Et de me laisser tomber alors que je t'ai sorti de ton cocon, centimètre par centimètre, depuis 3 ans. J'ai déjà tout combiné. Ça pourrait te permettre de t'en sortir. Mais tu es peut-être trop étriqué pour t'en rendre compte. Tu me déçois vraiment, Bobby. Baigne avec moi. Je te rejoins, ma belle. Vous venez aussi, Bobby? Tu l'as bien regardée, Chelsea? Tu crois qu'elle me gardera quand elle saura que j'ai rien? Tu as vu sa maison? Je t'en prie, Bobby, tu dois m'aider. Tom, tu te dépêches? Allez, je vous laisse. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Si tu veux cette vie-là, faut pas hésiter.
à cambrioler Beta pour détourner les soupçons. Dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends? Arrête! La sécurité. Ça va pas, t'es malade? Tais-toi, je vais pas m'en servir. Mais on va pas non plus se laisser prendre. Ça va, on continue. Alors, Jake et les petits te réclament. Pourquoi tu ne vas pas faire une partie avec eux? Peut-être plus tard. Je vais faire un tour au bowling. Tu veux venir avec nous? Non, merci, maman. Tu n'es pas comme d'habitude. Depuis le début des vacances, tu tournicotes dans la maison comme une âme en peine. Qu'est-ce qui se passe? T'as déjà eu un problème tellement gros que tu savais pas comment en sortir? Oui. Quand ton père et moi, nous avons divorcé, toi et Michael, vous étiez tout petits, il y avait des tas de factures à payer, c'était angoissant. Et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire. Mais je ne voulais pas me retrouver à laver par terre, comme ta grand-mère. Alors, j'ai fait l'école d'infirmière parce que je savais qu'en obtenant ce diplôme, je nous donnais, à vous et à moi, une chance. Tu sais, c'est dur quand tu essaies de réaliser un projet que personne autour de toi a réalisé auparavant. Mais tu t'obstines. Et j'y suis arrivée. Toi, tu iras beaucoup, beaucoup plus loin que moi. Je t'aime, maman. Tout se passera bien. Salut! Qu'est-ce que les flics viennent faire ici? Ferme la porte. Il y a eu un cambriolage il y a quelques semaines, tu t'en souviens plus? Ils vont nous interroger. Et pas cette tête d'enterrement, c'est la routine. Les flics du coin vont transmettre leur rapport aux assurances et puis ce sera fini. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Tu vas leur dire que tu ne sais rien, comme tout le monde ici. On devrait rendre ce qu'on a pris. Mais ça va pas. Et se faire jeter de Manning. Tu veux terminer ton année en cabane? Il n'y a pas de cambrioleur en fac de droit. Et je veux aller à Temple. T'as bien compris? Conduis-toi en battant. Comme toujours. Entrez. Lequel d'entre vous est Robert Earl? C'est moi. Je voudrais vous interroger sur les cambriolages. Vous avez une chaîne stéréo? Non, je n'ai pas. On peut aller parler dans l'entrée? Oui, bien sûr. Vous êtes Stahl, c'est ça? Tom Stahl? Oui. C'est bizarre, vous ne vous a rien volé. Ça, c'est sûr. Et j'ai mis un double verrouillage. Je protège mes appareils. Et les biscuits au citron, tu ne les as pas encore reçus? Non. Ah, si, si, ils étaient super. C'est une nouvelle recette de ta tante chérie. Non, excuse-moi, il faut que je te laisse. J'ai encore du boulot à finir. Bobby, ce gros problème que tu avais, tu l'as résolu depuis? C'est du passé. Tu en es sûr? Oui. Bon, il faut que je te laisse, il y a des gens qui attendent pour le téléphone et... D'accord. D'accord. Bon, ben je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse très fort, maman. Allez, à bientôt. Au revoir. Je tire mal, c'est insensé. Tu es un vrai pro. Non, allez-y, monsieur le chasseur de daims, passez à l'action. Non, pas avec ça.
Je ne tire qu'à la carabine. Tu ne seras jamais un vrai hors-la-loi, mon grand, si tu ne pratiques que le fusil de chasse. Et pour la prochaine fois, tu demandes à Chelsea de t'acheter un revolver. Tom, il n'y aura pas de prochaine fois. C'est évident, Bobby, je plaisantais. N'empêche que l'autre fois, avec le flic, tu m'as épaté. Il a patiqué, il a gobé tout ton baratin. Je me suis trompé sur toi. Tu n'es pas un type étriqué. Ça va, le FBI? Non, ça va très bien. J'apprenais à Bobby quelques trucs que je connais. J'ai besoin d'un coup de main à la cuisine. Depuis que cette bicoque est à moi, je me tue à essayer de comprendre comment on allume la cuisinière. Je suis ton esclave, ma belle. Non, tu sais comment on le charge? Ça fait rien, je reviens tout de suite. Bobby, on dîne dans une heure. J'ai de grands projets pour nous, Tommy. Je ne veux voir que des gens fiables ici. Tu es sûre de lui? Mais ma chérie, il me confierait sa vie. C'est très clair, Chelsea. Les comptes sont en déséquilibre depuis des mois. Il y a eu beaucoup trop d'argent englouti dans cette opération. Je regrette, c'est faux. Je suis justement en train d'y travailler. Lisa, tu tombes très bien. Je l'entends tous les mois, ce discours. C'est une accusation, tu... Je n'accuse personne de rien pour l'instant. Mais je veux que cette pagaille cesse immédiatement. Je veux un inventaire précis et je le veux très vite. Ou tu iras chercher du travail ailleurs. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je ne quitterai pas ce poste, Harry. Je suis propriétaire au même titre que toi. Est-ce qu'on verra? Il doit être par là. Salut. Salut, Bobby. Content de te voir. Comment vas-tu? Salut, Marc. Ah, c'est une fête géniale. Oh, il est énorme, ce machin. Où est-ce que tu as trouvé ces belles nanas? Profites-en tant que ça dure, Bobby. Au fait, toi et Tom, soyez là à 8h. On fait une réunion, d'accord? Tiens, Andy. Comment vas-tu? C'est sympa, hein? Vous avez tous un truc qui va pas aujourd'hui? C'est toi qui va pas bien, Bobby. S'il te plaît, tu m'en sers un verre? Eh oh! Oh, excuse-moi. C'est ce qu'on appelle être noyé dans ses pensées. Oui, ça doit être ça. Tout le monde se conduit d'une façon étrange aujourd'hui. Ce soir, c'est la pleine lune, c'est peut-être pour ça. Je m'appelle Jenny Cousins. Ah, enchantée. Bobby Earl, ravi de te rencontrer. On se connaît pas? Ce serait étonnant. Je vais à l'université d'Akron. Je suis venue voir une amie d'enfance. Bienvenue à Bethal. Merci. Trinquons à la pleine lune. C'est une parodie de procès, votre truc. Vous n'avez aucune preuve. On vous a vu charger du matériel dans ta voiture une semaine après le vol, Tom. C'est à mon frère. Et comment a-t-on pu nous cambrioler alors que vous étiez là? Je n'en sais rien. La voilà, votre accusation. Des on-dit et des rumeurs. Qui veut qu'on s'en aille? Je veux le savoir. Très bien. Répondons-lui, messieurs. Ceux qui veulent définitivement renvoyer Tom Stahl et Bobby Earl de cette fraternité, levez la main. Les voix contre? On va vous faire un procès. Si tu fais ça, Tom, nous porterons plainte auprès de la police de Greenville. Je suppose qu'aucun de vous deux ne le souhaite. Allez, partez demain et ça s'arrêtera là. Thank you.
On n'a pas besoin d'eux. Tu crois vraiment que ce sont tes amis? Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent et malgré ça, ils te brûlent sur leur bûcher. Ce ne sont pas tes amis. Tu n'as qu'un ami et un seul frère ici. Jamais je n'ai été humilié à ce point-là. Tout ce que tu as à faire, c'est partir avec moi. Comme si rien ne s'était passé. C'est comme ça que ça survit un battant. Allez, on s'en sortira. Chelsea nous logera quelque part en ville, hein? Bonjour, est-ce que Bobby Earl habite bien ici? Oui, c'est chez lui. Je suis sa mère. Et vous, qui êtes-vous? Chelsea Coates, l'employeur de votre fils. Donnez-moi ça. Je veux bien, c'est entrez. Bien. J'ai apporté des draps pour les garçons. Ils en auront besoin. Vous pouvez peut-être poser ce sac. Je sais qu'il est très, très lourd. C'est gentil à vous d'avoir pensé à eux. Mais cette semaine, je leur ai acheté des draps. Ah oui? Et c'est bizarre, je croyais que leur employeur était un médecin Landers. En effet, officiellement, c'est lui. Mais je gère les affaires de M. Landers. Bobby est donc mon employé. Où as-tu mis le décapsuleur, ma grande? Madame Earle? Bonjour, Tom. Et bienvenue au nouveau logis. J'ai l'impression que je t'ai apporté tout ça pour pas grand-chose. Il semblerait que votre patronne vous ait déjà fourni tout ce qu'il vous fallait. Ouais. Chelsea est vachement généreuse. Elle partage volontiers. Elle partage volontiers avec Tom. Oh, maman. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Bobby, tu as une idée de l'âge que peut avoir cette femme? Je sais pas, 26, 27 dans ces eaux-là. Elle a 35 ans bien sonnés et Tom n'a aucune maturité. Tu l'as pas vue avec elle. Bobby? Bobby Earl. Est-ce que par hasard, tu coucherais avec elle, toi aussi? Oh, maman, je t'en prie, s'il te plaît. Il y a... Oh, je sais pas, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Tu... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tiens, regarde cette maison. T'as toujours voulu que je passe à un niveau supérieur. C'est ce que tu es en train de faire? Absolument. Pourquoi as-tu quitté la fraternité juste avant de passer tes examens? Parce qu'on avait envie... d'avoir plus d'espace, tu sais ce que c'est? Maman... Allez, t'inquiète pas. Laisse-lui sa chance. Je sais que c'est pas le genre de femme que t'apprécies, mais... elle m'a vraiment permis d'avancer. Parfait. Jolie maison. J'espère que je ne dérange pas. Ça vous ferait plaisir de venir boire un thé glacé avec nous avant de repartir? Non, merci, Chelsea. Je vais me dépêcher de reprendre la route. Tu reviens à la maison après les examens, je suppose? J'aimerais passer l'été ici à travailler. Ensuite, on ira à Philadelphie. Je chercherai du boulot et Tom commencera le droit. C'est ce que tu veux? Ils sont inséparables. Oui, d'ailleurs, j'imagine que la présence de Tom va vous manquer. Cela va sans dire. De toute façon, il va revenir. Je tiens à avoir un avocat à demeure. Oh, je ne doute pas que vous l'ayez. Vous savez, Madame Earle, le monde commence à peine à s'ouvrir à eux. Je suis contente de leur donner un coup de pouce. Bon, allez, Bobby. On sera tous là pour ta remise de diplôme. Ton père, ton frère, moi, et on est tous très fiers de toi. C'est génial. Oh, mon chéri. Ah, allez. Ouais. Heureuse d'avoir fait votre connaissance. Tout le plaisir a été pour moi, Chelsea. Ça va pas? Qu'est-ce qui te prend de me faire venir par ce temps-là? Mon frère Ben est là avec un ami à lui de Case Western. Il se prépare un gros truc. Je veux que tu le fasses avec nous. Au
aucun risque ne sera pris. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Je suis pas convaincu par ton plan. Tu peux te fier à lui. Steven sera bientôt ingénieur. Il sait maîtriser un feu, il connaît la pyrotechnie. Bon, alors on utilisera un produit inflammable, de ceux qui traînent généralement dans les entrepôts de meubles, du style vernis, térébenthine ou autre. Ils sont bourrés d'alcool, d'accord? Donc ça va prendre vite et fort. On en mettra le long du circuit électrique pour qu'on croie que c'est parti de là. Il faut absolument que plus rien ne subsiste. On n'a pas droit à l'erreur. C'est jouable. Si vous réussissez, il y aura 500 dollars cash pour chacun de vous le week-end suivant. Non, je les veux avant. Toi, écoute-moi. J'arnaque pas les gens et j'aime pas qu'on m'arnaque. Vous serez payé la semaine d'après. Bon, d'accord. Ok, c'est bon. Bobby, tu resteras à l'extérieur de l'entrepôt et tu feras le guet pendant qu'ils mettent le feu. Tu entreras en scène plus tard, quand on fera la déclaration aux assureurs. Bobby, c'est plus que tu ne l'imagines. Tu acceptes? Oui, Chessie, j'accepte. Parfait, on est tous d'accord. La semaine qui suit la remise des diplômes. Je suis fier de toi, mon fils. Si on était venu me dire il y a 4 ans que tu serais diplômé, j'aurais pas misé grand-chose. Monsieur Earl, tu n'as pas la foi, on dirait. Ouais, tu as fait de moi un croyant. Merci, c'est gentil. C'est pas trop mal, petit frère. Merci. J'aimerais porter un toast. Oh, à la santé de Tom et Bobby, les enfants prodiges de notre faculté. Santé. 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 Maman. Et félicitations, Tommy. Merci, c'est gentil de votre part. Bobby. Ah. C'est pour moi? Wow! Oh, il est magnifique, Bobby. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut être cinglé pour offrir un cadeau comme ça à un jeune diplômé. Maman, arrête. Ça va. C'est juste pour me protéger. Quelquefois, on transporte beaucoup d'argent liquide d'un établissement à l'autre et une arme, ça peut être utile, c'est tout. Pour les voyous, c'est utile. Pour les voyous et pour la police, c'est une nécessité. Tu n'es ni l'un ni l'autre, il me semble. Non, bien sûr que non. Chelsea, si vraiment l'argent de M. Landers est si dangereux à transporter d'un endroit à l'autre, pourquoi ne pas le faire faire par quelqu'un d'autre? D'accord, Madame Earl. Tu veux que je le reprenne, Moby? Non, ça va. Merci, Chelsea. Bon, on va se chercher un petit dessert. Debout, tout le monde, on fait la fête. Tu cherchais à m'humilier exprès? Ça suffit, j'en ai marre de te voir si naïf. Il y a quelque chose de profondément malsain dans cette espèce d'arrangement. Chelsea est la femme la plus importante et la plus puissante de Greenville. Et les personnalités importantes agissent d'une autre façon que les gens des petites villes. N'élève pas la voix contre moi. Sache que les personnalités importantes ne manquent pas dans notre vallée. Mais je n'en connais pas qui s'habillent d'une façon aussi osée, qui se payent des voitures de course et des résidences. Quel mal y a-t-il à vouloir ces choses-là? Hein? Je croyais que tu voulais pas que je finisse comme un chômeur paumé. Bobby, c'est un malentendu. Tu n'as pas compris ce que je souhaitais pour toi. Tu as confondu avoir quelque chose. Ce n'est pas valoir quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Que tu gagnes de l'argent ou pas, ça m'est égal. Mais dis-toi bien une chose. Cette Chelsea Coates n'en a strictement rien à faire de toi. Tu as bien changé, Bobby. Et ça ne te va pas du tout. Tu comprends pas les gens qui ne sont pas comme toi, c'est tout. Bobby, c'est aux personnes qu'il fréquente qu'on peut juger la valeur d'un homme. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Tu es un adulte à présent. Tu vas quitter l'université. Il est temps pour toi de faire tes propres choix. Et d'en assumer les conséquences.
Oui, je suis Bobby Earl. C'est cool. C'est un Uzi? C'est un bel engin, hein? C'est un cadeau de Chelsea. C'est pour faire du tir. Tiens, prends-le. Tom. Je ferai pas ce qu'on a dit. J'ai pas envie que tu le fasses. Attends, qu'est-ce que tu me fais, là? J'étais d'accord pour les cambriolages. Mais je regrette maintenant. Tu as fait monter les enchères depuis. Cette fois, ça ferait de nous des criminels. C'est bien gentil, mais on va pas changer nos plans. Toi et moi, on est comme deux frangins, on est tous les deux là-dedans. Alors soyons vraiment des frères, Tom. Et soyons des gens honnêtes. Tom, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Écoute-moi. On a dégringolé à toute vitesse en quelques mois. Depuis que tu es avec Chelsea, tu n'es plus le Tom Stahl qui m'épatait. Tu n'es plus le Tom qui bouillait d'énergie et qui voulait contribuer à construire un monde meilleur. Tu avais de l'ambition, Tom. Tu voulais réussir dans le bon sens. Et moi, je t'aurais suivi n'importe où. Mais je ne te suis plus. Pas là où tu vas. Et où je vais? En enfer, Tom. Et cette fois, tu iras tout seul. Ne me laisse pas tomber. C'est trop tard. Vas-y. C'est comme ça qu'on traite son compagnon de route, son meilleur ami, son frère. Tire-moi dans le dos, ça te fera du bien. Je t'envoie des vêtements d'été, ce sera peut-être raisonnable. Mes projets ont changé, maman. Finalement, je vais rentrer. Si ça te va, je serai content de quitter un peu Greenville. Bien sûr. Et quand comptes-tu arriver? Je serai là tard ce soir. Il faut que j'y aille. Ça y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour Bobby Earl? Oui, voilà, monsieur. Brouillé avec du poivre et une tranche de fromage. Comme tu les aimes. Dis donc, tu m'as surprise en débarquant à la maison comme ça. J'ai eu envie de changer d'air. C'est tout? Hmm?
Non, il y a autre chose. J'ai fait une très grosse bêtise là-bas. Tom et moi, on a volé des chaînes stéréo et des téléviseurs à la fraternité l'an dernier. Vous avez fait quoi? Ça a commencé comme une espèce de blague, puis ça s'est accéléré. Au début, j'ai tout mis sur le dos de Tom. Je lui ai reproché de m'avoir influencé, de me l'avoir proposé. Mais c'est moi qui ai volé. C'est moi. On était deux. On nous a expulsés de la fraternité et maintenant, je ne sais plus ce que je dois faire. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. Je ne t'ai pas élevée pour qu'un jour, tu te mettes à voler. Je sais, maman, je sais. Alors pourquoi? Parce que j'étais tentée. C'était trop tentant, cette vie. Je voulais arriver à ça. Je voulais de l'argent, je voulais le pouvoir. Mais t'avais raison. C'est des faux semblants. Bobby, il faut que tu parles à la police. Je sais. Oui, il y a des traces de produits inflammables. Il est possible que ce soit d'origine criminelle. Un incendie profite presque toujours à quelqu'un. Incroyable. Regarde ça, ça fume encore. Allez, circulez, circulez, restez pas là. Monsieur. Bonjour. Il n'en reste vraiment plus rien, hein? Ah, sous les cendres, on trouve toujours quelque chose. Je m'appelle Jack Dietrich. Je suis expert auprès de la compagnie Fidelity. Bonjour, Chelsea Coates. Je suis la propriétaire avec le Dr. Landers. Mon assistant, Tom Stahl. C'est votre comptabilité qui est là? Si seulement c'était vrai. Tout était là, dans le secrétariat. Il y en a pour des mois à refaire les documents. Et les relevés de banque? Ils y étaient aussi. Cependant, nous avons besoin de liquidités pour régler les fournisseurs. Tom, faites-moi voir le dossier. Nous avons fait une première estimation comprenant l'ensemble des dommages et pertes. Un peu moins d'un million. Bon, très bien. Je vais aller faire un petit tour. J'ai discuté avec les employés. On pourrait peut-être savoir quelque chose. À propos de l'inventaire? Non, à propos du feu. Il me paraît assez suspect. Aucun de vous deux n'a allumé l'incendie? J'espère que c'est une plaisanterie. C'est une question d'usage. Je reviens plus tard. Je regrette ce que j'ai fait et le tort que j'ai causé. Je voudrais réparer. Si vous coopérez, vu vos succès universitaires et votre comportement, ça devrait bien se passer pour vous. Quoi qu'il en soit, je viendrai jeudi prochain à 11h. Bien. Merci pour le café. Une petite chose, Robert. Vous étiez employé au magasin de meubles de la vieille ville? Oui. L'entrepôt a brûlé il y a 3 jours. Vous n'auriez pas d'informations à nous donner? Non, aucune. À la semaine prochaine au tribunal de Greenville. Merci, au revoir. Au revoir, mon ami. Je peux pas le croire, c'est monstrueux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que tu sois mêlée à ça, maman. Mais je suis ta mère, je suis dans le même bain que toi. C'est trop dangereux. Tu ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Tom et Chelsea? Maman, il faut absolument que tu me crois. Je ne suis pas un criminel. Évidemment que tu n'es pas un criminel. Tu es Robert Earl et tu as fait quelque chose de malhonnête. Mais tu as fait machine arrière. Les choses ne peuvent que s'arranger. Alors, Bobby était bien au tribunal. Il est même venu avec un avocat. Qu'est-ce que le juge a dit? Je n'ai pas pu entrer, malheureusement. Mais j'ai parlé avec Bobby après l'audience dehors. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que ça ne se passait pas très bien. Qu'il avait avoué les cambriolages et que son avocat voulait que lors de la prochaine audience, il dise bien tout ce qu'il savait sans rien omettre. C'est prévu quand? Il faut compter une petite quinzaine. «
T'es trop nul, Bobby. Allô? Bonjour, c'est Jenny. Jenny? Jenny Kosinski? Oui. Il s'est passé tellement de temps depuis la fête de Manning. Je pensais que tu m'avais oublié. Ça fait longtemps, mais je n'oublie jamais un garçon adorable. On fait un barbecue ce week-end. Tu peux venir? Ouais, avec plaisir. Mon frère a de la place pour les garçons. Tu n'auras pas de soucis d'hébergement. Oh, ben alors, c'est parfait. Je suis impatient d'être à ce week-end. Est-ce que tu peux venir me chercher à l'arrêt du car? Oui, bien sûr. Alors, à vendredi soir. Salut, Jenny. Au revoir. Qui c'était? Jenny Kosinski. Je connais pas ce nom-là. Oh, on se connaît à peine. On s'est parlé à une fête à Manning l'an dernier. Mais je suis sûr qu'elle te plairait. Elle est brillante et elle a de beaux yeux. Elle veut enseigner. Je suis contente. Tu mérites une gentille fille. J'avais senti quelque chose de pas ordinaire. Et j'avais raison. J'ai le sentiment de redevenir moi-même. Bien. A choisi l'enseignement, plus qu'un an. C'est vrai? C'est marrant. Je me souviens pas avoir eu des profs comme vous. Ah, tu dis que des bêtises. Je t'avais dit qu'il était à croquer. Alors, mesdames, c'est quoi tout ce mystère? Je suis pressée de faire la fête, moi. Tu n'aimes pas les surprises? C'est à gauche, Barbara. Faut que je fasse pipi. Tu t'arrêtes 2 minutes? Désolée, je dois te déranger. Oh, je peux t'aider. Allez, ça hurle. Allez. Oh, d'accord, très drôle. Aidez-moi! Allô? Jenny, c'est Rose Earle. Madame Earle? Bobby est là. Non, il n'est jamais arrivé. Il n'était pas à votre soirée? Mais... où vous pensez qu'il est passé le week-end? Il n'était pas dans le car, je ne sais pas où il est passé. Je suis restée plus de 2 heures à l'attendre. Pourquoi vous n'avez pas téléphoné quand vous avez vu qu'il n'était pas là? Vous l'aviez invité à cette soirée. Il a dû préférer aller pêcher ou faire une balade, je vois pas ce qu'il y a de dramatique. Bon, si vous avez des nouvelles, vous m'appelez. J'appelle la police. Ensuite, on va à Greenville. Chelsea? Nous cherchons mon frère. Il est venu ici? Il a téléphoné? Non. On ne l'a pas revu depuis son départ à l'improviste. Je suis navrée. Il avait rendez-vous avec une certaine Jenny Kosinski. Vous la connaissez? Jenny, oui, c'est une vieille amie du lycée. C'est curieux, elle dit que Bobby n'est jamais arrivé là-bas. Mais ce que je trouve bizarre, moi, c'est que... elle n'a pas appelé chez moi pour savoir pourquoi il était en retard.
Elle a peut-être pensé qu'il se faisait désirer. Ça ne risquait pas, il était ravi d'y aller. Vous le connaissez assez pour savoir qu'il téléphone quand il a une demi-heure de retard. Peut-être que le juge lui a fait peur et que Bobby a décidé de se faire un peu discret. Oh, une cavale. Bobby a déjà avoué, il ne s'est pas enfui. Mes fils assument la responsabilité de leurs actes, ce ne sont pas des lâches. Chez nous, on ne s'enfuit pas. Arrête, maman, tu n'obtiendras rien. Viens, on s'en va. Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Il y a à peine 3 jours qu'il est parti, il est peut-être à la pêche, je ne sais pas. Vous m'appelez si vous le voyez. Évidemment. Vous m'appelez. Bien. Ils ont marché. La ferme, Chelsea. Ça va? Tu vois, cette femme a dit la même chose que Jenny. Il est peut-être allé pêcher. Il nous faut une bonne photo de Bobby. Alors, si vous savez quoi que ce soit le concernant, quoi que ce soit qui pourrait permettre de savoir où il est, votre aide sera précieuse. Bobby Earl mesure 1,75 m. Cette femme m'exaspère. Il a les cheveux châtains et les yeux marrons. Il est étudiant à l'université et membre de l'équipe. Pourquoi refuse-t-elle de croire qu'il a filé? Parce qu'elle l'aime, Chelsea. Cette histoire retombera, à condition qu'on n'ait pas les projecteurs braqués sur nous. Va dire ça à l'enquêteur de la compagnie d'assurance. Où que j'aille, monsieur se pointe. Il est tout le temps là. À la salle de sport, au campus. Il ne me lâche pas. Je crois que je vais quitter cette ville. Tommy. Tommy. Hey, faut qu'on reste solidaire. On ne risque rien. C'est du solide, toi et moi. N'est-ce pas? Oui, Chelsea. Bien sûr. Madame Earl? Oui? On s'est parlé au téléphone. Je m'appelle Jack Dietrich. Je travaille pour la fidélité. Ah oui. J'ai discuté avec tout le monde à Greenville à propos de l'incendie. Sauf avec votre fils, Bobby. Et j'ai besoin de lui. Nous avons la preuve qu'il ne s'agit pas d'un accident. Et vous pensez que mon fils a été mêlé à cette histoire? Je crois qu'il peut avoir des choses à me dire. Et vous en concluez que nous le cachons dans cette maison parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Il est en dehors de ça. Beaucoup de gens à Greenville seraient d'accord avec vous, Madame Earl. Mais j'aimerais bien l'entendre. Très bien, venez voir. Quel trophée, dites-donc. Oui. Baseball, football. Il revient ici chaque vacances. Et il entraîne les enfants du quartier. Ils l'admirent tous beaucoup. Il a toujours été très soucieux de sa réputation. Et moi aussi. Je suppose qu'il l'a gardé en souvenir. Il est né avec une maladie des os. Il a failli être infirme. Il a dû porter ça pendant 2 ans. Plaisanté? Non. Son frère aîné, Michael, était formidable avec lui. Il le réveillait au petit matin, le week-end. Il l'emmenait sur le trottoir avant que les autres gosses ne se lèvent. Et il le faisait marcher. Bobby s'appuyait sur 2 battes de baseball pour garder son équilibre. N'imaginez pas ce que c'était. Bobby n'a jamais laissé tomber. Moi non plus, je ne laisserai pas tomber. Je ne le cache nulle part, monsieur Dietrich. Et si quelqu'un souhaite savoir où est Bobby, c'est d'abord moi, ça je vous le jure. Alors il nous faut unir nos efforts, madame Earl. Malheureusement, je pense de plus en plus que Tom Stahl et Chelsea Coates savent où est votre fils. Ils sont malins, ils effacent les traces. Je crois vraiment que si on ne les harcèle pas, je ne prouverai peut-être jamais rien. Et vous ne saurez peut-être jamais où est Bobby.
Alors, qu'est-ce que vous en dites, Madame Earle? Appelez-moi Rose. Madame Earle. Venez, entrez. Ça va, je suis bien là. Vous partez en voyage? Non, je... J'entre à Temple dans une semaine. Ah. Chelsea. Bonjour, Madame Earle. Je suis retournée voir la police d'ici. Ils ne peuvent pas vous arrêter pour les cambriolages tant que Bobby ne se montre pas. Pour vous, c'est une chance inespérée. Madame Earle, je vous ai déjà dit que... Vous ne m'avez jamais dit la vérité. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bobby était ami avec vous. Il avait de l'admiration pour vous. Il vous considérait comme un frère. Et puis, il s'est passé quelque chose. Et il a commencé à avoir peur de vous. Et ça, je veux savoir pourquoi. Bobby est au courant pour le feu, c'est ça? De toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, tout le monde à Greenville sera au courant. Alors, je serai vous, je n'emmènerai pas large. Parce que ce jour-là, je ne vais pas vous épargner. Oh. Que Dieu aide ceux qui font respecter les lois. Il n'avait pas de carte d'identité sur lui, Madame Earle, mais vous m'avez dit que vous vouliez voir tous ceux dont la description ressemblait à celle de Bobby. Celui-ci est proche. Vous l'avez trouvé où? Sur les berges de la Monongahela, dans une décharge près de la rivière. Oh. Non, ce n'est pas lui. Je vais aller respirer dehors. Combien j'en ai vu maintenant? 6? Peut-être 7? Tous ces jeunes gens, oubliés, sans famille pour les pleurer. Quelquefois, je me dis que je ne comprends rien à ce monde. Ouais. Il y a sûrement beaucoup de gens qui s'en moquent et qui laissent tomber. Moi, non. J'espère que vous le retrouverez. Il a de la chance, votre fils. Arrêtez de penser à toi, c'est bon de te revoir dans notre maison. Je suis partie à peine 2 semestres. Oui, et je encore. Sais, mais j'ai trouvé ça long en crevé. Bon, allez, je crois que je vais y aller. Non, Tommy, je t'en prie, tu peux pas partir maintenant. Il est pas tard du tout, reste un petit peu avec moi. Il faut vraiment que je rentre. Je t'ai dit que je dois préparer des documents. C'est Jenny Kosinski. C'est pour elle que tu repars si brutalement, Tommy? Ne dis pas d'énormité, Chelsea. J'ai du travail urgent, tu comprends ça? Bon anniversaire, mon cœur. Allô? Rose, c'est Jack. On va pouvoir jouer au chat et à la souris à Greenville aujourd'hui. Vous êtes disponible? C'est celle que vous avez offerte à Tom? Pourquoi elle vous l'a rendue? Au fait, j'ai trouvé son nouveau numéro. C'était pas de la tarte, j'ai dû appeler 2 services à l'université. Laissez-moi seule. Sortez. Bonjour, vous
vous êtes bien chez Tom Stahl. Et Jenny Kosinski. On ne peut pas vous répondre pour l'instant, mais laissez-nous un message, on vous rappellera peut-être. Petit salaud. Tu vas payer très cher pour ce que tu m'as fait. Ça, oui, elle nous a vus. Vous croyez qu'elle a peur de nous? Comme un lapin dans des phares. Maman, tu écris à l'armée du salut de Californie? Oui, je leur ai écrit dans presque tous les états. Ils n'en ont peut-être pas entendu parler, on ne sait jamais. On n'a pas eu d'appel de là-bas, ni d'aucun de leurs refuges. J'ai recontacté la Croix-Rouge il y a 8 jours. Ils ne m'ont pas rappelé. Pas depuis la dernière fois. T'es incroyable. Dis donc, je pourrais descendre dans le Maryland ce week-end pour voir ces gens qui ont téléphoné. Non, non, je ne veux pas que tu t'épuises à faire ça. Ce sont des pistes trop hasardeuses. Et toi, maman, avec tes refuges en Californie? Je renoncerai pas. Tu sais... sur une année. Une année entière. Il y aurait sûrement eu quelque part quelqu'un qui l'aurait vu. Alors je me pose la question. À chaque minute, je me la pose. Tu sais, une fois, il a essayé de me parler. Ici, chez nous, juste avant que tout éclate. Je ne l'ai pas écouté. Je lui ai fait un discours plein de morale. Oh, si seulement je pouvais revivre ce moment. Tu crois que j'aurais dû le pousser autant? Tu crois que c'est moi qui l'ai précipité dans leurs pattes? Je voulais tellement qu'il aille loin. J'avais tellement fait de projet. Mais non. Maman, c'est injuste de dire ça. Pour toi et pour Bobby, il sait que tu n'as voulu lui faire que du bien. Les fautifs, ce sont ces gens de Greenville. Ce sont eux qui lui ont fait tout ce mal. Tu n'as rien à voir là-dedans. Et je crois que j'ai aussi détruit ta vie par la même occasion, Michael. Non, maman, c'est pas vrai. Bobby a toujours tenu une place énorme dans ma vie. Tu sais bien que je n'existais que dans son ombre. Et même si j'ai essayé, j'ai jamais pu être aussi brillant. Aussi doué en sport. Aussi populaire. Je sais que c'est ton préféré. Oh, Michael. Mais ça fait rien. Il y a vraiment des gens qui ont une grâce en plus. Et Bobby est comme ça. J'en ai tellement été jaloux que j'ai failli oublier que je l'aimais. Et puis, il y a un an... il y a un an déjà. J'ai compris. Je n'aurai jamais qu'un seul petit frère. Et je n'en aurais pas eu de meilleur que lui. Je sais, Michael. Allez-y, et ensuite disparaissez. Mais
voulez, Dietrich. Mais quel poisse, hein. D'abord votre entrepôt de meubles ravagé par les flammes. Maintenant votre villa en cendres, c'est effarant. Et l'assureur, devinez qui c'est. Quel destin vous avez. La malchance semble ne pas vous lâcher, Madame Coates. Si c'est ça votre manière de compatir, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas bien l'air de comprendre. La police d'ici ne croit pas que cet incendie soit accidentel. C'est du travail d'amateur, ma chère Chelsea. C'est bizarre. Votre fidèle homme de main n'était pas disponible cette fois-ci. Qu'est-ce que vous m'accusez d'avoir fait? Ça y est, c'est terminé. C'est mon rapport sur le premier incendie. Lisez-le. La demande d'indemnisation à rejeter. Incendie criminel. Votre maison, incendie criminel. Donc, il y a un gentil petit incendiaire qui se balade quelque part. Et ils ont demandé un mandat d'arrêt. Ça signifie qu'ils seront en mesure d'engager des poursuites d'ici, je sais pas, 3 heures. Je n'arrive pas à le croire. Il vous reste encore une chance, Chelsea. Vous savez, les juges et les jurés, ça les impressionne de voir l'accusé exprimer des remords sincères par rapport à ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous savez des remords? Ou de la peur? Vous avez peur, Chelsea? Vous avez peur? Je ne savais pas ce que j'ai pu traverser. Je ne sais plus à qui me confier. Jamais je n'aurais cru que ce serait à vous. Écoutez, vous allez devoir vous confier à la police dans très peu de temps. Alors s'il y a des choses importantes que vous souhaiteriez me dire... Je n'ai jamais été d'accord pour ce qui s'est passé. J'ai essayé d'intervenir. Seulement, il me terrifiait. Il ne me quittait pas des yeux. Il me suivait partout. Et maintenant, ma maison, il a brûlé ma propre maison. Attendez, qui vous parlez? De Tom! Ne faites pas cette tête, vous le soupçonnez depuis le début. C'est Tom qui a incendié l'entrepôt. Et je suis absolument sûre que ma maison, c'est lui aussi. Il fait ça pour m'empêcher de parler. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes censé savoir? Tommy a tué Bobby. Il l'a assassiné. Il l'a frappé à mort. Et puis il l'a enterré tout près de ma ferme. On a fini par le trouver. Ne quittez pas la ville, on va bientôt vous convoquer. Naturellement. Quand vous voudrez. Tu viens faire là, à une heure pareille. J'ai pas de bonnes nouvelles, Rose. Ils ont trouvé Bobby. En pleine campagne, au nord de Greenville. Il était 20 centimètres sous terre. Tom Stahl? Oui? Je vous arrête pour l'enlèvement et le meurtre Jennifer de Robert Burns. Je vous arrête pour complicité. Vous avez le droit de garder le sur silence. La personne de Robert Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de prendre un avocat si vous ne pouvez. Téléphonez-moi pour prendre rendez-vous si vous voulez m'interroger. Mademoiselle Coates, je vous arrête pour complicité dans l'enlèvement de Robert Earl.
Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz... Je connais mes droits, Don, et vous connaissez mon avocat. C'est aberrant, c'est totalement ridicule. J'ai accepté de coopérer, c'est grâce à moi qu'on a retrouvé le corps. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Votre amant donne une version très différente des faits. Vous raconterez tout ça à votre avocat. Allons-y. Ils ont emmené Bobby Earl jusqu'à cet endroit isolé en pleine campagne. Quand elles ont arrêté la voiture au bord du chemin, que s'est-il passé? Elles ont... Je crois qu'elles ont fait ce qu'on avait décidé. Robert est descendu. La portière a claqué. Vous, vous l'attendiez dans l'obscurité. Ouais. Il s'est retourné. Et... Il a entendu du bruit. Il m'a vu arriver. Il a crié quelque chose et... Il a foncé sur moi. Vous vous êtes battu? Oui. Y avait-il des rochers ou des pierres à cet endroit? Oui. Vous souvenez-vous si, oui ou non, vous vous êtes servi d'un de ces rochers ou d'une de ces pierres comme d'une arme? Dans... Je l'ai peut-être... soulevé. Et peut-être que sa tête a cogné une pierre. Savez-vous combien de temps a duré la lutte? Non, je ne sais pas. C'était une lutte violente? C'était violent. Il ne méritait pas tout ça. Regarde toutes ces lettres. Il était vraiment aimé. De qui ça vient? Madame Cornette. C'était sa maîtresse en CE2. Michael, j'ai réfléchi depuis le jour où tu m'as dit que tu pensais que Bobby était mon préféré. Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu demandes à une mère lequel de ses enfants elle aime le plus, il y a de fortes chances pour qu'elle réponde qu'elle aime tous ses enfants aussi fort, mais différemment. Et je crois qu'elle te dira aussi que si l'un d'eux a besoin de davantage de présence, les autres, à terme, croient que c'est lui le plus aimé et ils en souffrent. Toi, depuis toujours, tu as cru que j'aimais Bobby plus que toi. Bobby, c'était un cheval pur sang. Il lui fallait de la fermeté, quelqu'un qui le guide. Mais toi, tu as toujours été le plus réfléchi. Mon grand garçon solide.
Mon grand garçon, plein de sagesse. Et surtout, ne va pas croire. Même pas un quart de seconde. Que tu as moins de valeur que lui. Surtout pas. Et dis-toi bien une chose, je n'aurais pas pu rêver un fils plus merveilleux. Et Bobby n'aurait pas pu espérer un frère plus gentil. Tu veux un steak? Avec un petit gratin de pommes de terre? Oui. Rien que pour toi.